Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Du coup, il n'y a pas de live cette semaine, je travaille. Mais j'avais quand même envie de vous faire un petit pack opening. Alors, je peux pas le faire en live. Hein. Je suis désolé, j'ai pas de temps, pas assez de temps. Mais on va le faire ensemble en vidéo, voilà. J'avais pas envie d'attendre ce week-end où je vais pouvoir refaire des lives. Je voulais vous le faire aujourd'hui, donc je pense sortir la vidéo ce soir. Donc jeudi soir, normalement, on doit être là jeudi soir. Actuellement, là, moi, on est jeudi 14h28. Vous, normalement, il doit être jeudi le soir, tu vois. C'est pas un problème de voyage spatio-temporel. Bref, je me suis auto-soulé. Bon, la casquette, elle va pas du tout avec le pull, c'est pas grave. Parce que là, j'ai les cheveux, on dirait des poils de... Bon, bref. Alors, les amis, on va voir ce que nous réserve le jeu cette semaine. Alors, j'ai vu, hein, j'ai mis sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter parce que c'est là où je partage toutes les infos le plus rapidement possible. J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses sympas cette semaine. Hein. Notamment, on va avoir 25 000 GP par jour en bonus de connexion. Ça va faire en tout 175 000 GP à avoir. Ah, franchement, il y en a encore qui vont pas être contents parce qu'ils auraient pu donner 30 000 au lieu de 25 000. Il y en a, ils sont jamais contents. Mais moi, je trouve que franchement, là, ils régalent. Hein. 25 000, on n'a rien demandé à personne. Nous, on était là comme as. Bim! Alors, cette semaine, on a du Messi en A. Ok, Suarez qui revient en B. J'ai le boost, ça fait plaisir. Griezmann, ouais. Oblak, il y en a beaucoup qui l'aiment bien. C'est bien. Ramos en B, très bien. Agüero en A, d'ailleurs, il est dans l'équipe de la semaine, j'ai vu. Ederson en B, très bien. Van Dijk en B, c'est pas mal pour beaucoup de monde. Le reste, on s'en fiche un petit peu. Fernandinho qui est dans l'équipe de la semaine. Sané en A. Partey dans l'équipe de la semaine. Ouh, ça veut dire que il y a que ça en... Ah oui, ça veut dire qu'on va avoir quand même beaucoup de joueurs en C. Et en D, on a Ter Stegen. Ouh, donc Ter Stegen boost, les amis. Vous pouvez l'enlever cette semaine. On a du Casemiro qui est dans beaucoup d'équipes. C'est pareil. Jordi Alba, c'est pareil. Et pour le reste, ça veut dire que les Ronaldo, tout ça, les Aubameyang, ils vont être en C. Comme la semaine dernière. La PES League Hebdo, j'ai très peu joué, j'étais en div 1. J'ai vraiment pas joué beaucoup, je finis 8ème. Ouais, alors je pensais pas du tout finir 8ème. Ouais, 363 points, c'est vraiment très très peu. Bon, 8ème, franchement, je m'y attendais pas. Tiens, Carles 017, ça me dit quelque chose, ça. Du coup, on gagne quand même 20 000 GP. Ça fait plaisir, hein, franchement. Et du coup, on est relégué en div 2. Pas bien grave, hein, pas bien grave. Alors, voilà, campagne de connexion, c'est ce que je vous disais, volume 2, vous voyez, 25 000 jusqu'au 17. Donc, pendant une semaine, là, on a 25 000 par jour. Donc, même si vous ne jouez pas cette semaine, faites un effort, connectez-vous tous les jours. Là, les gars, 25 000 GP, ça fait un pack, on crache pas dessus. Hein. Boîte de réception, on va récupérer mon agent premium gratuit, mes billets de renouvellement de contrat avec mon édition Beckham, bien sûr. Ouais, je suis remonté à 160 000 GP déjà. Bon, voilà, vous voyez pas, parce que j'ai pas mal farmé un petit peu. Les GP, je vais pas y toucher avant les légendes prochaines. Qui, j'espère, ce sera les légendes d'Arsenal. Oh, j'avais pas vu, parenthèse, Ruben Dias qui est en D cette semaine. Ça va faire beaucoup de mal à beaucoup de monde, moi y compris, les mecs. Hein. Là, va falloir s'en passer. Alors, à l'heure où je vous parle, les amis, sur PESDB, on n'a pas encore les joueurs de l'équipe de la semaine. Très important, allez voir avant de mettre vos joueurs en entraîneur. Parce que des fois, ça nous réserve des petites surprises. Il peut y avoir des pépites de cachet. Donc, PESDB.net, je rappelle. Ensuite, vous tapez joueur en vue, en bas, etc. Et c'est comme ça que ça se passe. On repasse au jeu. Alors, en agent, qu'est-ce qu'on a comme recruteur? On a des packs de collection. Pack de collection, c'est star de pays. L'Espagne, l'Angleterre, la Belgique, la Croatie et la Colombie. Les mecs, on va être clair, net, vous me connaissez. Il y a 450 joueurs. Il y a 26 boules noires. Ça... Vous oubliez, vous n'en ouvrez pas un, vous en ouvrez zéro. Pots up, gardez vos GP, vous me remercierez plus tard. Dans les agents spéciaux, les amis, le retour de la POTW, les Players of the Week, l'équipe de la semaine en français. Donc, on va voir qu'on a quand même du lourd, 63% de boules noires. Je trouve que c'est une belle équipe de la semaine. Certains sont pas contents, comme d'habitude, ils sont jamais contents. Fichez-moi tranquille. Alors, on a qui ? Agüero qui a une carte régulière que j'aime pas du tout. Il a une très belle carte boost. À voir. Firmino, j'aime pas trop son régulière. J'avais déjà eu un boost, j'avais pas kiffé. Il me fait moyen kiffer. Fernandinho qui a une très 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 belle carte, très complète. On peut notamment voir qu'il a
91 de talent défensif. Enfin, il est à peu près bon partout. Il manque un petit peu de vitesse, je trouve, pour en faire vraiment un excellent joueur. Tout le reste, c'est très bon. Partez. Ah, si vous me connaissez, Luthor ici présent, vous savez que ça, déjà en régular, en boule or, c'est mon chouchou. Il est énorme. Alors là, en mode boosté à 87. Alors, je sais pas combien il peut monter, mais à mon avis, ça peut vendre du rêve. Il a très belles stats. 87 de talent défensif, 92 récupération de ballon, 78 vitesse, 79 explosivité, c'est bien. Contact physique 84, détente 84, il a pris quand même un bon boost. Hein. 89 de contrôle de balle, les passes c'est 85, c'est bien. 89 d'endurance, il a pris un plus d'endurance, ce qui est bien. Il a 5 de forme, donc c'est ça veut dire que c'est ni bon ni mauvais, quoi, c'est classique. Il fait 1m85, donc devant la défense, c'est bien d'avoir un grand MDF, je trouve. Un petit peu à Vieira, par exemple. Le mec, c'est à tour de contrôle. Voilà. On a Stones, de Manchester United, Manchester City, pardon. Je dis n'importe quoi. Qui a une carte sympa, 82 de vitesse pour un DC, c'est bien. En plus, il fait 1m88. Il a également 81 de détente. 86 de tête, je pense que ça peut être un bon défenseur. Seferovic, le joueur du Benfica, il veut tout dire. William José, le joueur de la Real Sociedad, voilà. Après, ça peut être des joueurs qui montent énormément, mais là, d'après ce que je vois, ils montent à 48-49. Il n'y a rien qui fait exciter Mémé. David Lopez qui a une belle carte, il fait 1m85, il manque de vitesse, après avoir en jeu, des fois on est surpris, il mesure 1m85, ce que je vous disais, 87 d'endurance, par contre 4 de forme, ouais 4 de forme c'est vraiment moyen. Grimaldo qui avait déjà eu un boost en DG, le joueur du Benfica, quand on avait eu les packs d'ailleurs portugais qui étaient très bons en boost. Il est très rapide notamment, vous voyez, 87 de vitesse, 88 d'accélération, d'explosivité plutôt. Il mesure 1m70, donc pas très grand. Il peut être un bon DG, surtout si vous faites une équipe boule or, gardez-le, franchement. Pina, non, franchement, pas kiffé de ouf. Et Alex Garcia, 21 ans, de Gironde, MDF, il a une carte sympa, 80 d'endurance, c'est pas foufou. Mais il peut monter, 4 de forme, c'est moyen. Dans une équipe or, pourquoi pas. Après, je pense que Partey régulier est meilleur. Là, dans les or, on a Grimaldo qui vaut le coup, le reste, c'est moyen. Donc, voilà. En gros, ce qui va nous intéresser, ça va être Agüero, Fernandinho, surtout Partey, Stones, pourquoi pas, et Grimaldo. Voilà, le reste, malheureusement, ça va être caca. Cacaboudin, j'essaye de ne pas parler trop, il y en a qui ont dit que je parlais comme un gars de cité, voilà. Donc voilà, bref. On a aussi des packs sélection de Ligue 1, alors là, moi je trouve qu'il y a des très belles cartes, alors il y a un petit problème, c'est que par exemple, le Payet a une très belle carte, le problème c'est que vu le niveau de Marseille en ce moment, il risque d'être souvent en note moyenne, sinon il a une carte... franchement énorme, hein. Pour un MO, il a une carte en MO qui est énorme, même en vitesse, hein, 80 en vitesse, il prend un plus 4 en vitesse, plus 4 en explosivité, de toute façon il prend plus 4 partout, hein. Pratiquement, non c'est pas pratiquement, il prend plus 4 partout, donc il a une carte très très belle, 7 de forme, donc en C il sera en forme, 85 d'endurance qui pêchait un peu, franchement, Payet à tester. Depay en AIG 90, qui a une très belle carte, pareil, attesté, forme 6, endurance 80, ce qui est un petit peu moyen, mais il y en a beaucoup qui l'aiment bien en régular déjà. Mbappé, bon, je ne vous le présente plus, Mbappé ça va être celui qu'il va falloir avoir les amis. Kazri, j'aime beaucoup en vrai, sa carte est moyenne, j'aurais préféré qu'il ait une carte or boostée, Bell, là, il va servir à rien. Mendy, non. Thomas, non. Alors, Thomas, le problème, c'est que il fait... Alors, il est très grand, par contre. 1m93. Je trouve qu'il manque un petit peu encore de vie de puissance. 87, c'est pas mal. Détente, 88, il va prendre tous les ballons de la tête. 89 de talent défensif.
78 de vitesse, 68 d'explosivité. Ouais, je pense qu'on a beaucoup mieux maintenant dans nos teams. Savanier, il a une belle carte MR. Plutôt un MR offensif. Slitty, il a une belle carte. C'est pas fou non plus. Hein. Thielmans, le Belge. Qui a une carte sympa, surtout qu'il peut passer niveau 63, donc lui à mon avis, pépite, hein, à surveiller. On sait que les joueurs de Monaco sont boostés, hashtag Pellegrini oversheet, donc à voir lui. Franchement, Thielmans, pourquoi pas. Bosquiglia, non, Pépé, il a déjà une très belle boost, je pense que celle-là est en dessous. Sans carré, il a une carte, ouais, pas mal, pas fou mais pas mal. Godos, lui, 97 de vitesse, 92 d'explosivité. À mon avis, il peut être bien cheaté. Grenier, il est en or, donc pas mal sa carte. Les Costa, ouais, Benezé, moyen. Djikou, moyen. Kamano, ouais. Bon, après, le reste en or, on ne sait pas ce que ça peut donner. En gros, faut mieux avoir une belle or qu'une noire dégueulasse. Hein. Hashtag, voilà, Savanier, Slitty, tout ça. Ça fait pas kiffer mémé. Allez, on va s'ouvrir les cartes. Du coup, on va commencer par la Ligue 1. Conforama, clairement, objectif, Mbappé, Payet, Depay, les gars. Mbappé, Payet, Depay, les trois cartes que je pourrais tester dans mon équipe, les autres, elles auront jamais leur place. Je vais pas vous mentir, les gars. Allez, emmène-nous. Emmène-nous à Paris. Sofiane qui a pas porté bonheur à Paris, d'ailleurs, puisqu'ils ont perdu hier contre Guingamp. Allez, bon, là, on sait qu'on va en France. Allez, Paris. Déjà, c'est noir. Oh là, c'est qui, ça? Ah, Dijon. Ça va nier, hein. Ah, Slitty. Ouais, Slitty, t'es un bon joueur. Après, dans mon équipe, je vais pas te mentir, il y a des chances que tu finisses en entraîneur, frérot. Même si, en vrai, je t'aime bien... Bon, première ouverture. On n'est pas sur ce qu'on veut. Vous savez que j'ai pas de chat en ce moment sur les openings. J'ai envie d'un Mbappé, hein, je vais pas vous mentir là. Mbappé, il me ferait kiffer. Ah, Kazri. Ah, je le veux pas lui, je l'ai déjà dit. M'énerve pas Konami là. Ah, Kazri, c'est bien. Allez. Kazri, que j'adore en vrai joueur, qui est énorme. Et on tombe que sur les frérots tunisiens, là. Slitty tunisien, Kazri tunisien, on va sur une équipe tunisienne. Dédicace d'ailleurs les frérots tunisiens, au passage. Là, je vous avoue, c'est pas ça qu'on veut voir. Si tu pouvais venir sur du Mbappé, tu vois, Mbappé, c'est pas Tunisie, quoi. S'il y a un autre tunisien et qu'on le repack, les gars, je me suis fait marabouter. Allez, des pailles, un petit paillet, ce serait bien. Mais non. Théma, il me donne un gardien, mais Mendy, oh là 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 là, Mendy, oh, stade de Reims, oh là là. Stade de Reims, Même lui, il est gêné, tu vois sa tête qui est gêné, tu vois, il se dit, j'avoue, frérot, si t'attendais Mbappé, là, on est à peu près, on n'est pas au même étage, nous deux. Il y en a un qui dort au sous-sol, l'autre qui dort au troisième. Et ma Mendy, est-ce que ça te dirait de devenir entraîneur? C'est bien. Merci pour la Ligue 1, bah écoutez, voilà. On va ouvrir notre pack gratuit, on va essayer de se remettre de ces très bonnes émotions, hashtag sum. Ça sert à un sourire jaune, là, en vrai, j'ai envie de vomir. Allez, bon là, c'est les boules gratuites, on a déjà eu, Modric dans ces packs-là. On a eu Modric, France, si tu nous donnes Mbappé, je te jure, je me vénère. Oh là. Oh! Et ils sont capables de me donner un mec qui était en bout, t'aurais pas pu sortir il y a 5 minutes, toi, Pépé, là. Pépé, tu fous ma gueule, quoi? Oh, ouais, même lui, c'est pareil, hein. Y a pas de conviction. Derrière, on a Cor et Petagna. Lui, soit le mec qui a pris la photo, il avait plus de zoom, soit il fait 1m32.
Ah mais il fait 1m90, Pétania. Ah ouais, c'est que le photographe, il s'est mis contre le mur, au fond. Est-ce qu'on peut faire pire en chat, les gars, vous pensez, là, au niveau pas de chat? Attendez, parce que là, en Angleterre, il y a tout ça, les trois, là. Il y a ça. Donc, en Angleterre, franchement, en Angleterre, on est sûr d'avoir un bon truc, parce que les quatre, elles sont bien, hein, Fernandinho, Roberto, Firmino, Aguero, Stones. En Espagne, on peut se faire troll, parce que je veux absolument parter. On peut avoir David Lopez, on peut avoir José, et on peut avoir Pina et Garcia. Ouais, on peut se faire fumer de ouf. Et en Liga NOS, au Portugal, bah t'es sûr d'avoir de la merde. Hein. Je vais pas, me dites pas, mais forfait Ferovic, Grimaldo. Ouais, les Grimaldo. Et si on va au Portugal, mets-moi Grimaldo. Hein. Tu me mets Seferovic, le Suisse, là. Je vais le manger, lui, je vais le manger. Téma, j'ai le cœur qui bat tellement j'ai eu que de la merde juste avant. Là. Allez, pas de tasse licorne, rien du tout. Que moi, moi et ma chance. Ah, oh là là. Mais on va dans le pire pays des trois. Il y a trois pays. Il n'y en a pas quatre, cinq. Trois pays, l'autre, il part en Portugal. Grimaldo. Bah, au moins, on a le moins claqué de deux. On est, ouais, dans l'équipe. Or, Grimaldo, c'est bien. Grimaldo, regardez, je vais même le verrouiller. Tu vois comment je suis, les gars. Bon, maintenant, t'arrêtes tes conneries. Tu vas en Espagne. Partez. Et on n'en parle plus. J'aurais fait un bon pack opening. Qu'est-ce que je vais mettre comme titre? Pack opening complètement pourri, l'autre connard il claque 600 pièces pour avoir de la daube. Non, je ne suis pas d'accord. Alors tu te calmes. Ah! Partez, ta mère, partez. Mais c'est pas possible! Mais qui c'est quoi? Oh là là là, avec ses pattes de chien, ils sont sérieux? T'es mal, l'autre il a des pattes de chien. David Lopez, oh là 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 là. Oh, mais fous-moi la paix. Mais fous-moi la paix. Quel... Oh là là là. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Qu'est-ce que t'as fait ce week-end? T'as mis un triplé? Qu'est-ce que t'as fait? Mais... Oh là là. Mais oui. Content. Il contente. Ouais. Deux boules or, même pas une boule noire. Attends. Ça va être quoi? Ça va être quoi le titre de la vidéo, là? Là, je suis en train de me creuser les méninges. Konami, toi et moi, on est en bon terme jusque-là. Tu vois? Bon, alors essaye quand même de me mettre bien, s'il te plaît. Téma, je suis tremblant, je sais que je vais me faire carotte, les gars. Tu sais, quand t'arrives au bout d'une petite ruelle sombre, tu vois, ça sent le traquenard, mais t'y vas quand même. Je suis exactement dans cette situation. Mais moi, je suis un bonhomme, je la traverse, la rue sombre. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Partez. Oh, cette tête. Mais William José, mais l'autre, il a trois prénoms. Mais fous-moi la paix aussi, toi. Oh là là. 1m86, en plus, il est pivot, le machin. Je déteste jouer avec ça. Oh là 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 là. Oh là là, le pack opening. Mais il est pas dégueulasse, les mecs. Il est pas dégueulasse. Il est dégueulasse. Oh là 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 là, mon seigneur. Mon seigneur, dieu de tous les dieux, je sais pas quoi, je crois pas, j'en sais rien moi, mais c'est de la merde. C'est de la merde, William José, là, mais on dirait tu fais du pâté, toi, d'habitude, là, William Sorin. Oh là là, je suis dégoûté. Mais vrai, me chambre pas, toi, hein, je te jure. 1m96 ou pas, moi, coup de pied dans les testicules, tu as rien comprendre. Eh, mais les gars, je vais vous expliquer ce qui va se passer, hein. C'est que ça va être entraîneur, entraîneur, entraîneur. Ah bah là, on va faire monter les chevaux, là. Donc, la dernière fois, j'ai dit que ça faisait plus d'un mois que j'avais rien eu dans les Player of the Week, que c'était il y a deux semaines. Ça veut dire que ça va faire deux mois, Konami, que j'ai pas eu un bon joueur. Je me rappelle même pas le dernier bon joueur que j'ai eu dans les Player of the Week. Donc, ça commence à me fatiguer les estafettes, les gars. Ça veut rien dire. Bon, bref. Voilà quoi, pack opening il est fini les mecs, j'espère quand même que ça vous a plu, j'espère que vous êtes bien foutus de ma gueule parce que je vous connais, mettez des likes quand même les gars, hein. Ça mange pas de pain, même si j'avoue, moi j'en mettrai pas perso, mais après c'est vous, abonne-toi, c'est gratuit, moi je vois ça, je t'avoue, limite je me désabonne, pas te mentir, on se retrouve bientôt, le 26 janvier là, retour du live, en live.
sur YouTube, les mecs. Hello, c'est Luthor Carry. Bim, et là, on va casser le game. Ou rien du tout, il y a des chances. Sinon, on se retrouve ce week-end. Retour des lives. Je vous fais des bisous, mes merguez. J'aurais préféré le faire en live, mais bon, bah voilà. Vu la chatte que j'ai, ça pouvait pas être pire. Bonne journée, les amis. Ciao.